On est de retour. Et cette fois, on est motivé comme jamais. Non, parce qu'avant, on a eu une petite fébrilité. Salut, petit cul, j'espère que vous allez bien. Nouvelle étape, la troisième étape de ce Tour de France. Voilà, entre Valges et Sandebourg. Oh là là, à force de taper. Hop là. Non, non, je suis dans un bus. C'est pas du tout un effet magique. En tout cas, merci de regarder cette série. Voilà, on va faire les 21 étapes de ce Tour de France. En espérant le meilleur résultat possible pour la team Quickstep. Pour le moment, Evenepoel et maillot jaune. Bon, on est à deux étapes. Hein, voilà, on a gagné le contre-la-montre et à partir de là... Mais on a bien gagné le contre-la-montre quand même. Mine de rien, on a mis une énorme claque. On a les gars placés. On a quand même Asgreen qui est pas si loin au classement général. Donc ça fait quand même plaisir. On a juste raté le sprint lors de la dernière étape. Bon, bah, ça s'en voit un petit peu. Mais bon, ça, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On était bien... En fait, ce qui me frustre, c'est qu'on était devant. Et je sais pas ce que j'ai branlé, on était bien, on était devant, et à 700 mètres, je lance pas le sprint, quoi. Parce que je vois pas tous les détails, toutes les infos, je suis pas habitué encore. Donc, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, danger, pas de risque particulier. En jeu, classement général, les étapes de plaine sont sauf surprise, les étapes sont interrompues, classement général. Résultat espéré. L'étape convient à Jacobsen, hein, il peut envisager une victoire d'étape en cas de sprint, merci, bien sûr, il peut espérer. Il peut espérer. En tout cas, nous, on espère. Troisième étape. C'est peut-être une étape qu'on pourrait considérer d'étape chiante. Parce qu'il n'y a pas les gros coups de zèf comme à la fin. On a vu à la fin de la dernière étape, elle est un peu... On se fait un peu chier, tu vois. Mais après, on se fait plaisir. Je me demande si j'irai pas chercher... Putain, mais tu sais qu'Evenepoel, en vrai, il a quand même des stats pour être patron. Après, bon, Alaph, il est quand même très, très solide. 84 en descente, putain. Oh, Alaph, il est très complet, quoi. Il est chaud sur le vallonnage. Je sais même pas si on n'irait pas chercher des petits points avec Alaph. C'est aller chercher des petits points. Ah, mais je pense qu'ils le laisseront pas partir. Quoique sur une étape comme ça. Ou alors, on y va avec Cavagna, tu vois. Mais bon, Cavagna... c'est un rouleur, quoi. C'est pas... On a dit qu'on voulait faire briller... Vas-y, on fait briller Asgreen. On fait briller Asgreen. Asgreen, on le met dans une échappée, là, pour la déconne. J'ai peur que ça le fatigue pour rien. Putain, mais vous avez vu la difficulté du côté directeur de course dans ma tête, là? On pense à un truc, on pense à un autre, on sait pas, on hésite. On peut essayer de prendre Asgreen et de l'envoyer, quand même. C'est merde, il est chez lui, merde. Pensez à lui, un peu. Pensez à lui. C'est un prince, il est gentil. Asgreen. Allez, hop, ça part. On va prendre part à notre première échappée de ce Tour de France, bien sûr. Si on arrive à se barrer. Barrez-vous, putain, mais comment on fait? Comment on fait? Cassez-vous, là, cassez. Mais putain, mais la queue de poisson, là! Connerie, bah. Allez, hop, ça part, pardon. Salut les cons, on est parti, petite étape, petite montée, là. Hop, là, on met un petit coup de cul. Tac, 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 on décroche un peu tout le monde. Et on se met comme ça. Enfin, on a un peu décroché. Le maillot à poids, là. Le maillot à poids qui veut nous rattraper le boug. Et je suis complètement un âne. Oh, ouais, j'ai jeté la robe. Ça, c'est pas vrai parce que j'étais comme ça. Ouais, je suis trop fier de... Merde. Ouais, j'ai merdé. Attends, laisse-moi t'accrocher, Goujard. Ah, Goujard, il est là pour... ça, c'est joué à rien, bordel de merde, hein. Ça s'est joué à rien. 1 minute 16, hein. Ils nous ont laissé partir. Bon, nous, bien évidemment, salope comme on est, ne pas collaborer avec les adversaires. Et là, ça part. Et là, j'espère qu'ils vont m'amener gentiment. Ah, les bâtards, putain. Et voilà, on peut pas espérer, voilà, on peut pas compter sur eux. Ah merde, parce que je suis accroché à lui. Dégage, putain, Mirabouche, je m'accroche à Masbonnet. Voilà, et là, on est bon. Ah, ils veulent encore partir. Faut les cons. Ah putain, et Rabouchenko, il veut se barrer aussi. C'est bon, ça se rattrape. Ça se met des attaques dans la gueule, hein. Et pourquoi ça se met des attaques dans la gueule comme ça, les gars? Vous voulez que ça roule, quoi? Les mecs veulent que ça roule. Bon, ok, les mecs veulent que ça roule. Et si je reste appuyé sur tous les boutons. Bon, allez, on collabore un peu. C'est pas mon idée première, mais on collabore. On se barre un peu en échappée, il y a 160 bornes, on va pour se marrer.
On va juste tenter de récupérer un deuxième point, parce que au niveau des points de la montagne, là, il y a combien l'autre con, là? Il y a 2 points, hein? Il y a 2 points, donc si on va chercher un deuxième point, on aura 2 points aussi! Ça, c'est génial! Pas folle, la bête. Ok. On a 2 km, faut juste que, bordel, je vais sortir du virage avant de faire le con. Faut juste que je me... Laisse-moi faire des vrais virages, par contre. Kilomètre 7, faut que je regarde, quoi. Oh, putain. Kilomètre 2. Non, en montagne, quand même, à... Faut que je lance à 700 mètres. Allez, on lance dans le viral. Allez, on lance dans le viral. Allez, 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 rabouche. Est-ce qu'on va tenir? On va pas tenir. Allez, accélère, accélère, la cour de toi! Oui, le boyau! Le boyau devant! Bon, non, mais faites pas genre. On a tous eu peur. On a tous été hyper impressionnés par cette attitude. Bon, bah là, maintenant, faut rouler, quoi. Là, tu roules, tu te fais plaisir. Mais tu sais quoi, mais collabore même plus, en fait. En vrai, c'est bon, t'as mis tes points, t'es content, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut même plus les laisser partir. Le truc de combativité sert à rien, quoi. C'est juste, t'as montré le maillot, quoi. T'es content, mais... Il n'y a pas de reconnaissance autre que juste... vous êtes la super combative, vous avez un dossard rouge. Je sais même pas s'ils ont un dossard rouge. Je suppute. Il me semble que ça me dit quelque chose, mais... Je sais même pas, dites-moi dans les commentaires. Quand t'es le super combatif, t'as quoi? T'es juste tes... T'as un petit coupe à la fin, une petite médaille, un petit... T'as un petit truc sympa. Où vraiment les mecs s'en battent les couilles et te filent rien. 2 minutes 38, ça tient. 2 minutes 38, ça tient sur une étape de 100 bornes. Pour se faire rattraper. Là, ce qui m'emmerde, c'est qu'en vrai, il faudrait presque limite gêner les... Je sais pas, gêner les relais, quoi. J'ai vu qu'on pouvait gêner le relais, je trouve ça génial. J'essaye des fois de temps en temps pour garder l'avancée et tout, mais j'arrive pas, je maîtrise pas encore le vélo, je crois que je... Ou en tout cas, je maîtrise pas ce jeu, parce que bien évidemment, tu pédales, ça doit être un peu différent, quoi. Là, bah écoute, on arrive au truc, prends ton bleu, hein. Ton bleu, mec, fais-toi plaisir. Là, les mecs, on y arrive, prenez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez fumer, les mecs, prenez les clopes, prenez... Vous emmerdez pas, les gars, prenez les clopes. Ah putain, j'appuie 4 fois sur les trucs. Sénéchal qui protège Jacobsen, j'aime l'esprit. Masnada, il a oublié de protéger Evenepoel. Ikatano, tu protèges à la fin. Voilà. Non, parce qu'on est en protection, quoi. On est une équipe qui se protège. Bande de potes. Ouah, mec, jamais tu relayes aussi fort. Collabore pas, mec, c'est bon, c'est terminé. Ils vont se barrer de quoi? On va les rattraper. Quoi qu'attends, je vais peut-être jouer le sprint quand même. Attends. Collabore, pour le moment collabore, on va jouer le sprint. On va essayer de les fumer. Ils ont combien en termes de... Eh, c'est Kasgren, c'est vraiment... Il est 6e au général, hein. Ils ont quand même laissé partir un mec qui a... Bon, après, c'est les premières étapes, mais... Asgreen, il a 5 points, Masbonnet, il a 20 points. Ah, mais le premier, je crois qu'il a 40... Colbrelli, non? Non, peut-être pas. Non, putain, ça c'est une autre partie, je confonds. Ah, juste que j'ai... Je fais pas mal de vélo. Non, ça avance, sprint inter. Allez, sprint inter. Allez. Allez, ça roule. Déjà, ça se met un petit peu sur la gueule. Hop là. Tu m'oublies. T'oublies ma roue, je te dis, t'oublies ma roue. On est à combien? 2 km 2. Moi, je dis un petit virage, ça leur fait la bite. Hein. Voilà, petite descente là. J'aime bien l'esprit. Petite descente, on est quoi? 1 km 3. Et là, ça accélère dans le virage. Il n'y avait pas vraiment de virage. On met un petit coup. Y'a moyen. Allez. Il lâche pas. Ah putain. Pourtant on l'a joué fair play, hein. Putain, il nous a rien manqué, bordel. J'ai déclenché un tout petit peu trop tôt, putain. Dommage, hein. Vraiment, dommage. On était à ça de faire un truc exceptionnel. Peut-être dû prendre l'autre groupe là pour que Jacobsen mette des points. Je suis complètement con. Bon, là on va directement à la fin de l'étape.
On avance quand on passe sur le chemin, quand on ferme là. Là, on n'a plus qu'à avancer, ils vont se faire récupérer. Voilà, 2 minutes, regardez le temps comme ça s'égrène, à une vitesse, 2 minutes 6, 2 minutes. Est-ce que les gars sont classés par ordre dans le peloton ou pas? Je pense, hein. Je pense, genre, ça serait logique que le jaune soit devant et tout. Franchement, il y a une belle échappée, hein, c'est horrible. Ah, bah, ça, il se barre. Ah, on ne veut pas se faire attraper, on en a marre, on ne veut pas se faire attraper. Alors que le maillot, regarde-moi ça, le maillot à poil, il n'a plus rien à foutre. Voilà, on est revenu. Impeccable. Salut, mec. Bon, Asgreen sublime, hein, ce que t'as fait, hein. C'est super. Et j'ai l'impression qu'il a pas trop niqué son énergie. Voilà, tu t'accroches et puis t'es bien. Et là, on va basculer sur Jakobsen, qui est malheureusement quand même en négatif là. J'avais pas eu la flèche, putain. Putain, en fait, ce qui me saoule, c'est que là, j'ai genre des. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'aille sur Evenepoel? Est-ce que Evenepoel, il peut pas aller choper une bonif, quoi? Je pense qu'en vrai, par rapport aux autres sprinters, il est mort. Mais regardez sa note de sprint, qui est négative, hein, et il est à 59. 64. 68, par limite, Asgreen, il mérite, quoi. 4, 63. 70 à Alaph. Je vais tenter le sprint avec Alaph. Je sais même pas si Alaph, il a déjà. Non, mais attends, les autres, ils ont genre vraiment 80 et tout, quoi. Sénéchal 73, hein. À 83 quand même, t'es censé être un monstre. 83, même s'il a moins 3, il est à 80, ça va vite, hein. Chiffrer les lettres, tout ça. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Allez mon petit. Faut arriver jusqu'au bout, faut être bien. Ah, il y a sa petite barre d'énergie, Jakobsen, quand même, qui est un petit peu plus basse que les autres. Ça rattrape ou pas 40 secondes? Ouais, ça c'est terrible. Ça, mentalement, je sais pas comment ils font, les mecs. Non, mais Sénéchal protège, hein. Mais tu sais que Sénéchal, en fait. Il y a l'option genre poisson pilote. Ah, mais je peux lui dire genre attaquer et moi je le suis, non? Il doit y avoir ça en fait. Alors ça, qui est jouable. Je suis sûr. Genre, je demande à Sénéchal d'attaquer. Quand moi je le suis, mais genre, je demande d'attaquer à. Je sais pas, à 2-3 bornes quoi. On a 9 bornes là, ça va falloir se replacer. On a 9 bornes, faut se replacer là, faut arrêter les conneries. Voilà, se replacer dans une barrière, c'est une technique. Parce que là, ça va aller très vite, on connaît, voilà, et on fait les cons tout le temps. Putain, comment je fais pour me placer là? Barrez-vous. Putain, mais barrez-vous, bordel! Ah ouais, ça accélère en plus! Putain, mais comment je fais? Allez, pousse-toi! On est déjà à 7 bornes. Pousse-toi là, Grovengern. Ils accélèrent les cons, mais pourquoi ils accélèrent? Oh! Yarmaï. Yarmaï, il sait, il sait, il sait, il sait. Il sait, mais il se met. Oh, vas-y, là, il y a de l'espace. Là, il y a de l'espace. Là, ça me parle. Là, ça me parle. Là, il y a un petit espace, là. On a combien? 5 bandes 5. Masnada, c'est un prince. Oh là là, ça tape les barrières. On a 5 bornes, on a 5 bornes. Il y a Christophe, on connaît. Evenepoel, faut que tu tiennes, mon copain. On a 4 bornes. Open heart. Voilà, je sens que là, il faut s'accrocher avec ces mecs-là. Il faut s'accrocher avec ces mecs-là. Est-ce que De Bont, c'est vraiment un gars qui. En tout cas, il nous amène, De Bont, hein. Un prince, hein. Vraiment, il est sympa. Bon, il amène tout le monde, mais il nous amène. On a 3 bornes. On a 3 bornes. Me tartine pas le rouge. Me tartine pas le rouge. Me tartine pas le rouge. Me tartine pas le rouge, De Bont. On va. Velens, par contre, Velens a l'air chaud. Velens a l'air chaud. Ça me tartine un peu le rouge. Ah, Velens me tartine le rouge. On est à 2 km. Waouh! Sénéchal qui est revenu pour me protéger, mais en fait, il m'a foutu dans le décor, le con! Il va falloir aller chercher quelque chose. Allez! Allez, on essaye de faire un petit effort! 900 mètres, 800 mètres, ça va pas être suffisant! Putain de merde! Allez! C'est catastrophique! Il a zéro énergie, ce fils de pute, là! Pardon, les termes sont un peu. Pardon, termes techniques. Mais bordel! Il a 200 mètres de sprint dans les jambes! Moi, je lui demande d'avoir 800 mètres dans les jambes! Putain, la fin, elle est catastrophique, c'est au moment où je me rassois. Bon, les sprints, c'est pas mon délire. Je comprends pas! Putain! Je suis un gars, il me met bien! Je sprint trop tôt! Je sprint trop tôt! Oui, meilleur grimpeur, ça fait 2 maillots pour la team. 3 maillots pour la team. 4 maillots pour la team. On a quand même tous les maillots, on a quand même tous les maillots. Pedersen, Van Aert. Oh, qui se replace.
Bon, tout le monde finit dans les temps, ça c'est bien. On a amené toute l'équipe. Asgreen qui prend 2 points. Non mais attends, j'hallucine. Asgreen finit. Ah non, j'ai eu peur. Classement par points. Attends, classement de l'étape, on est combien? On fait 17ème quoi. J'en peux plus de ce mec. J'en peux plus de ce mec, sérieux, on fait 17ème. Putain, on était premier quand même. Il y a un moment, on était premier. Bon, là, on s'en fout. Donc, on a quand même... Pardon. Ça doit vous impressionner. On a 5 coureurs dans le top 15. 5 coureurs dans le top 15. À la fac 47 toujours. Bon, ça bouge pas. Ça bouge pas au niveau du timing. Juste Asgreen a pris le maillot. Donc là, les quick step, ils ont le jaune, le à poids. Bon, on connaît pas ce mec-là. Putain, Asgreen, il est 15ème. Le blanc, mais on le donne à Pogacar, histoire de voilà, qu'il s'habitue. Et on est premier. Et en termes de combatif, bon, ok, c'est Barbecue là qui est devant, mais on était pas mal. Demain, l'étape numéro 4 de ce Tour de France, qui ma foi est passionnant et qui arrive, bizarrement, en France, à Dunkerque. À demain, et vive les émotions sur Tour de France 2022. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na.